Bon les amis, je vous ai dit que je lâcherai rien et je vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout avec vous. Oui, j'appelle Emmanuel Macron, enfin, j'appelle son standard, vous allez voir, je vous fais voir ça tout de suite derrière. J'ai annoncé tous les chiffres de l'inflation sur l'année prochaine, que ce soit les mutuelles, que ce soit l'alimentation, que ce soit les assurances auto, que ce soit les péages, le pass Navigo, enfin toutes les augmentations générales, tout est continue d'exploser. En fait, ça continue d'exploser dans ce sens-là. J'ai appelé Emmanuel Macron, là, il y a 20 minutes. Je vous fais voir la petite vidéo. On se retrouve juste après. Ne partez pas, c'est super important. Vous allez avoir un lien qui va être épinglé dans les commentaires et puis qui va être dans le titre du live. C'est un lien qui est super important. Je vous invite à aller voir cette action contre l'inflation qu'on doit porter tous ensemble. Et je vous invite à y participer et à signer, mes amis. Je vous fais voir ça, tout ça, tout de suite. Bon, écoutez, on va appeler Emmanuel Macron parce que je pense qu'il est bon de le mettre au courant de l'action qu'on est en train de mettre en place. Enfin, on va appeler son secrétariat. Bonjour, vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Un opérateur va vous répondre. Oui, président, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais un message important à remonter à Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Oui, dans quelle ville vous êtes, monsieur? 69. À quel dire ce message, monsieur? Comment? Quel est ce message? Alors, le message, les Français en ont ras-le-bol de l'inflation. On ne se sent pas du tout écouté aujourd'hui par le gouvernement puisque l'inflation continue à être grandissante. Donc j'ai deux messages. Le premier message, c'est qu'on a lancé une action qu'on peut retrouver sur change.org. Le nom de cette action, c'est Mettons fin au racket d'État puisqu'on en a ras-le-bol aujourd'hui de ce racket d'État. Et le deuxième message, on voudrait un rendez-vous avec Emmanuel Macron pour rentrer sur la table des négociations. Car cette action, je pense... Comme... Même il répond pas. J'ai déjà fait, il répond pas. Alors, est-ce que vous pouvez remonter le message? Parce que je vous jure, hein, merci beaucoup, parce que je vous jure, hein, ça, prenez mon numéro de téléphone, donnez-lui mon numéro de téléphone, j'assume totalement. Il y en aura le bol. Et là, l'action qu'on est en train de mettre en place, qui est en train de prendre une ampleur, une grosse ampleur, on a déjà 20 000 signataires et elle continue de grandir, on va continuer de la faire grandir. C'est pas méchant ce message, mais aujourd'hui, il va falloir qu'il écoute les Français. Les Français se meurent de froid, les Français se meurent de faim, les entreprises sont en train de fermer dans tous les sens. Et il n'y a aucune réponse du gouvernement. Tout ce qu'on nous a annoncé, c'est toutes les augmentations pour l'année prochaine et ça ne peut plus durer. Merci beaucoup. Donnez-lui vraiment le message et mon numéro de téléphone. J'espère qu'on aura un retour. Ok, monsieur, ce sera noté. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse partager un maximum. Hein. J'ai très peu d'espoir pour qu'il m'appelle, bien entendu. Mais au moins, il ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant. Écoutez, on n'est pas représenté aujourd'hui par les politiques. Est-ce que vous les entendez parler d'inflation? Vous les entendez nous défendre contre l'inflation? Moi, je crois pas. On n'est pas représenté par les représentants syndicaux. Est-ce qu'ils nous défendent? Personne nous défend. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est temps de monter cette voix citoyenne. Vous retrouvez cette action dans le titre du live. Vous cliquez. J'espère que vous participerez un maximum à cette action. Plus on sera, plus ça marchera. Aujourd'hui, c'est de faire comprendre à ce gouvernement qu'on est des milliers, des millions, on en a avoir ras-le-bol. Et regardez le déroulé de cette action, parce que c'est une action, c'est pas une pétition. Je tiens à le signaler. Il y en a ras-le-bol de tout ça, ras-le-bol. Je vous demande de partager un maximum ce message, je vous demande de le diffuser le plus possible pour que tout le monde ait au moins connaissance de cette action. Parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas signé cette action. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas au courant. N'attendez pas après les médias pour en parler. La preuve, hein, j'ai passé quelques coups de téléphone. Silence radio. Silence radio. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout que les entreprises ferment, que les gens crèvent la dalle. Au moment où on se parle, il y a des gens qui arrivent même pas à chauffer, qui font qu'un seul repas par jour. Vous voulez que ça cesse? Vous voulez que ça s'arrête? Il faut arrêter de dire qu'on peut rien faire, c'est pas vrai. On peut pas rien faire. On peut déjà participer à cette action. Je vous l'ai déjà dit, ça a déjà fonctionné à l'étranger. Faisons pareil. Essayons de leur faire voir qu'on est capable d'être des milliers, des millions. Mais pour ça, il faut que ça soit partagé en masse. Donc partagez-moi ce live en masse. Et vous savez, l'algorithme aujourd'hui sur Facebook a changé. Pour que les lives puissent fonctionner, il faut un commentaire. Une fois que c'est signé, vous marquez c'est signé ou un autre commentaire. Mettez-moi un like, un partage, mettez-le dans vos stories. Envoyez le live à tous vos amis sur Messenger pour que ça puisse tourner. Parce qu'on en a ras-le-bol. Mais on va pas rester là comme ça, comme des vaches à lait, comme des moutons. Ça suffit. Ça suffit. Donc on peut pas rien faire. C'est faux. On peut faire des choses par un moyen. Cette action qui est mise en route. Je vous fais confiance, je compte sur vous. Deux secondes pour appuyer sur un petit bouton partage. Je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais ça marchera peut-être pas. Ouais, peut-être. Peut-être que ça marche pas. Ça marchera pas. Mais au moins, on aura essayé. On aura eu au moins le mérite d'essayer. Est-ce qu'on peut tous avoir au moins le mérite d'essayer?
n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science sûre. Peut-être que ça marchera, ou peut-être pas. Vous savez comment ça peut marcher? Qu'avec des milliers de personnes qui la signent. S'il vous plaît, un petit partage, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on s'en fout. Un peu déçu que, d'ailleurs, certains liveurs de la contestation sociale ne parlent pas de cette pétition, ne parlent pas de cette action. Ça coûte rien d'en parler deux secondes. Mais les gens sont très individualistes aujourd'hui, malheureusement. Bon, en tout cas, moi, je lâcherai rien, et j'essaye de faire des propositions, et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, parce que c'est important de liker les vidéos et de les commenter. Je vous dis, quand c'est fait, marquez-moi fait. Et ceux qui l'ont déjà fait, partagez la vidéo, s'il vous plaît, et marquez déjà fait. Je vous remercie à tous.